Les vallées, ça forme des unités naturelles, parce que de toute façon, pour sortir de la vallée, on passe par le même point. Argelès, c'est un point de passage obligé. Lannemezan, pris du côté de la montagne, c'est un point de passage obligé. Une des particularités des Hautes-Pyrénées, je crois que c'est le record, c'est le département qui a le record des petites communes, puisque nous n'avons que 220 000 habitants au total et qu'il y a 450 communes. Au recensement précédent, ça a dû s'aggraver, au précédent, il y avait 150 communes qui n'avaient pas 100 habitants. Donc nous avons une pratique déjà fort ancienne de communes qui, pour la vie chrétienne, sont regroupées. Quand je dis 100, il doit y en avoir moins de 100 habitants, il doit y en avoir encore je ne sais pas combien de dizaines qui ont moins de 50 habitants. Le paradoxe des sanctuaires de Lourdes qui voient passer plusieurs millions de visiteurs par année, à l'intérieur d'un diocèse composé, lui, d'une myriade de petites communautés humaines, ce paradoxe n'est pas mineur. Il type le diocèse de Tarbes-Lourdes, où l'évêque doit donner pratiquement la moitié de son temps aux marées humaines qui viennent rencontrer la Dame des Apparitions. Lourdes, une aventure spirituelle, certes, mais également une structure complexe et multiforme au service des pèlerins du monde entier, qui deviennent de fait, pour un jour, pour une semaine ou plus longtemps, les diocésains de Mgr Jacques Perrier, aidés par l'équipe de prêtres et de baptisés qu'il a mis en place. Afin que tout marche bien, rien n'est laissé au hasard. Il faut allier dans l'harmonie le matériel et le spirituel. Écoutez, je résumerai en trois attitudes qui sont l'hospitalité, la visitation et la sanctification. L'hospitalité, c'est simple. Ça veut dire qu'on est ici avec tous mes frères chapelains et tous les membres du personnel pour accueillir les 6 millions de pèlerins qui passent chaque année dans les sanctuaires de Lourdes et qui viennent des quatre coins du monde. Donc on est là à l'accueil, le matin on ne sait pas ce dont sera fait la journée, on a bien des choses un peu prévues, mais tout peut arriver, toutes sortes de personnes peuvent arriver dans les sanctuaires, des plus petits, des plus humbles ou plus grands, des têtes couronnées au simple troufion, comme on dit, et il nous faut être présent à toutes ces personnes, uniques, familles, groupes, pèlerinages, laïcs, religieux, religieuses, évêques, prêtres, tout le monde. Tout le monde, mais surtout les malades et ceux qui les assistent. À leur intention, les abords de la grotte sont perpétuellement en chantier, comme ici, le nouvel accueil Notre-Dame. À l'intérieur de l'accueil Notre-Dame, c'est 900 lits pour malades et handicapés, mais comme l'on sait qu'ils ont presque chacun deux accompagnants bénévoles, c'est pendant la journée un nombre important de personnes, près de 2000, qui sont dans ce bâtiment-là. Ça, c'est pour l'hospitalité, et nous sommes vraiment équipés pour être tous des hospitaliers. C'est aussi très important dans le message de Lourdes, accueillir toute personne. Deuxièmement, la visitation. Eh bien, quand arrive le mois de novembre, le recteur, il devient un peu à la fois le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre, et il s'en va à travers l'Europe, dans différentes réunions, différents congrès, de toutes les associations, de tous les directeurs de pèlerinage, de tous les responsables d'hospitalité, invité qu'il est partout où il se rassemble pour préparer la saison suivante. Alors l'entreprise Lourdes, c'est un peu comme un grand paquebot. Et pour accueillir 6 millions de pèlerins, il faut bien qu'il y ait un équipage. Et cet équipage est constitué d'un peu plus de 400 salariés qui représentent à la fois tous les services que l'on trouve dans une entreprise. Il y a des juristes, des comptables, des informaticiens, mais aussi tous les corps de métier pour entretenir ce domaine qui représente 80 hectares. Et puis également un certain nombre d'autres collaborateurs qui, eux, sont dévoués, principalement de par leur fonction, à l'accueil des pèlerins. Ce sont tous ceux qui œuvrent au forum information, que l'on voit devant nous, et puis également le secrétariat général, mais aussi des gardes qui accueillent les visiteurs, qui les renseignent, 40 sacristains, autant de lingères, de fleuristes, d'ingénieurs du son, qui donnent de la couleur, de la beauté à nos célébrations. Donc tout un petit monde, parfois anonyme, bien souvent, car les pèlerins sont persuadés que Lourdes fonctionne avec des bénévoles, mais Lourdes, c'est aussi la deuxième entreprise de la ville pour accueillir ces pèlerins visiteurs qui viennent du monde entier. Le paquebot Lourdes, il fonctionne un peu à deux vitesses. Il y a la vitesse de l'hiver. On pourrait croire que c'est une vitesse relativement ralentie,
Mais un grand nombre de personnes s'agitent, travaillent dans les sanctuaires, car cette période hivernale est relativement courte, 4 mois, pendant lesquels il faut réaliser les gros travaux d'entretien, pendant lesquels il faut assurer le nettoyage, pendant lesquels il faut aussi préparer la saison, et parfois même préparer la saison d'après. On fonctionne toujours avec 1 an, voire 2 ans d'avance dans les sanctuaires. Et puis il y a bien sûr le rythme de la saison, cette saison qui dure 7 mois, du 1er avril jusqu'à la Toussaint, où nous accueillons les évêques de France en assemblée plénière. Et là, bien, les 400 salariés sont là avant tout pour accueillir, recevoir les pèlerins. Certains sont au contact quotidien des pèlerins, d'autres, en particulier dans les différents corps de métiers techniques, voient les pèlerins d'un peu plus loin, mais ils sont tous très attachés à cette dimension de l'accueil. Peut-être aussi parce qu'un grand nombre d'entre eux sont d'ici, sont de Bigorre, de Lourdes, de la vallée de Bathurguère et des vallées environnantes. Et je dirais même qu'il y a parfois des dynasties d'ouvriers et d'employés dans les sanctuaires. On y travaille parfois de père en fils et de génération en génération. Et je pense que c'est quelque chose de très important quand on accueille des gens qui viennent du monde entier, peut-être enracinés dans une terre et dans les réalités de la Bigorre. Là, c'est bon, mais oh. Non, mais là, je... Oui, on va dans la ligne bonne, là-dedans. Donne-moi la marcette. D'abord, on va ranger ça. On va ranger. On va ranger ça, Manu. C'est ça. Un peu. Le recteur des sanctuaires, il est d'abord, effectivement, le coordinateur, le responsable, au nom de l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, pour faire en sorte que tout ce monde travaille ensemble, être une équipe, au fond, avec de multiples tâches, de multiples métiers, de multiples fonctions, de multiples statuts. Mais c'est aussi un prêtre d'abord, hein. Un prêtre qui vit son ministère sacerdotal, en essayant d'être attentif d'abord aux plus petits, aux plus malades, aux plus paumés. Et c'est aussi un animateur, parce qu'au fond, ce qu'il faut surtout, c'est toujours essayer d'avoir toujours un peu un train d'avance. Avec tout ce qui se passe ici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit temps d'avance pour essayer de voir un peu avec l'avenir, avec ce qui va se passer, comment déjà maintenant on peut créer, inventer des nouvelles synergies. Parce qu'il y a toujours plus de monde, toujours des gens qui viennent d'ailleurs, et c'est toujours un peu compliqué de coordonner si on n'a pas un tout petit temps d'avance pour avoir un projet. Celui qui gagne, vous savez, c'est celui qui a un projet. Donc, le recteur, au nom de l'évêque, doit toujours avoir un peu ce projet pour un peu guider tout le monde avec cette importance donnée au thème pastoral qui est délivré chaque année par l'évêque. Et je suis chargé un peu de le mettre en œuvre. La fonction Tarbes-Lourdes a cette particularité que, en gros, au point de vue emploi du temps, au point de vue préoccupation, on peut dire que le sanctuaire pèse à peu près autant que le reste du diocèse. Il ne faut pas dire le sanctuaire et le diocèse, parce que le sanctuaire fait partie du diocèse. Bon. Mais disons, l'ensemble du diocèse, en dehors des sanctuaires, fait à peu près le même poids que le sanctuaire lui-même. Donc effectivement, il y a deux responsabilités qui tuilent l'une sur l'autre, s'emboîtent partiellement l'une dans l'autre, mais enfin sont quand même assez profondément distinctes. Oui. Moi, il y a quelque chose à quoi je tiens beaucoup à propos de Lourdes, c'est la liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne pressure pas les gens de questionnaires, de sondages, etc. Vous pouvez entrer dans le sanctuaire, dans le domaine, y rester le temps que vous voulez, vous allez où vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Bon. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que c'est une des conditions pour l'évangélisation d'aujourd'hui, c'est que les gens ne soient pas pris dans un carcan, ou bien alors, ils vont dans une secte. Nous, on n'est pas, c'est l'Église, ce n'est pas une secte. Donc, les motivations des gens, leurs profils, etc., sont extrêmement divers. Je pense qu'une des atouts de Lourdes, une de ses missions, donc en même temps, c'est précisément que des gens fort divers peuvent y trouver leur compte. Ils ne trouvent pas forcément le même compte, ils ne trouvent pas forcément la même chose, mais quelqu'un qui a passé une heure dans le domaine, c'est très rare qu'il reparte déçu. Il a toujours vu quelque chose. Il a vu les malades, ou il a vu des gens qui prient, ou il a vu les mosaïques de Notre-Dame du Rosaire, ou il a vu des jeunes, ou bien il a entendu toutes les langues. De toute façon, il aura été frappé par quelque chose qui va dans le sens de ce que l'Église veut être et est.
Lourdes est un lieu de religion populaire, ça c'est certain, c'est incontestable, mais je crois que les actes fondamentaux touchent tout de même des grands symboles bibliques. Si vous voulez, l'eau c'est un symbole biblique fondamental, les chrétiens, les liturgiques, etc. Bon, le rocher, Dieu mon rocher, la lumière que l'on reçoit et que l'on porte, c'est profondément évangélique. Alors, à nous, dans les célébrations en particulier, mais aussi dans les paroles qui accompagnent les processions, dans les chants des processions, de donner le sens véritablement chrétien et évangélique de ces symboles qui sont par ailleurs des symboles universels. Donc je crois qu'on est un lieu, un grand lieu, un haut lieu, au moins un vaste lieu de l'évangélisation de la religion populaire, oui. Mais là-dedans, je prends les trois termes. Il y a évangélisation, il y a religion, il y a populaire. C'est vrai que c'est très populaire. C'est pour ça d'ailleurs que Lourdes, pendant très longtemps, et même encore de façon assez majoritaire, a toujours été plutôt snobé par les milieux intellectuels, disons-le simplement, ayant fréquenté beaucoup de monde étudiant et connu beaucoup de gens donc de ce genre de milieu de préoccupations intellectuelles, beaucoup ne sont jamais venus à Lourdes du tout. Bon, certains sont venus, étant maintenant des hommes ou des femmes de 50 ans, sont venus ici, donc des gens qui ont un esprit critique, et eux aussi ont découvert des choses. Mais ils n'y seraient peut-être pas venus très spontanément s'ils n'étaient pas venus pour voir l'ordinaire. Bon. Et d'autre part, la dévotion mariale est libre. Je veux dire, Marie a une place dans le dogme catholique, mais la dévotion mariale est libre. Personne n'est obligé de venir à Lourdes. Une des différences, ça que j'avais bien connu à Paris, quand j'ai été successivement curé d'une paroisse et ensuite à Notre-Dame. Dans une paroisse, on connaît les personnes. Bon, à Notre-Dame, on ne connaît personne. Bon. Ben, ici, c'est pareil. Je ne peux pas dire que je connaisse bien les communautés, mais enfin, même au moins les prêtres, les responsables, les religieux, je connais quand même un certain nombre de gens. Bon. Alors qu'ici, je ne connais strictement personne. Bon, ces deux aspects, je pense que c'est très difficile de ne vivre que le ministère de Lourdes, c'est-à-dire un ministère auprès de gens qui sont sans cesse changeants. Je pense en particulier que ça ne serait pas bon pour de jeunes prêtres de vivre ça trop durablement. Ils peuvent le vivre très bien. On reçoit beaucoup de jeunes prêtres maintenant l'été, en particulier pour le sacrement de la réconciliation. C'est très bien, parce que c'est un autre danger de faire la communauté. On ne peut plus sortir du noyau, il faut faire attention à ne pas limiter non plus, dans une communauté chrétienne, le cercle ou l'audience de l'Évangile simplement au cercle de ses connaissances personnelles. Ça a été, je l'ai moins, mais ça a été un grand danger, le mythe des petites communautés, etc. Donc je crois qu'il y a les deux aspects dans l'Église. Il y a les noyaux conviviaux, communautaires, etc. Et puis il y a la parole de plein vent. La basilique et la grotte, c'est Lourdes. Et pourtant, nous sommes à 900 km des Pyrénées, à Hérouville, en Normandie. Derrière cette grille, la réplique exacte du sanctuaire de Lourdes. À échelle réduite, on l'appelle le Petit Lourdes. En été, au plus fort de la saison, entre 300 et 400 personnes s'y rendent quotidiennement pour vivre un prolongement de la grâce de Lourdes. Lieu de pèlerinage, le Petit Lourdes est le fruit d'un miracle, d'une guérison de la fin du 19e siècle. Madame Dubosc est atteinte d'une maladie incurable. En compagnie de son mari, elle se rend à Lourdes. Peu après, elle guérit miraculeusement. Son mari fait alors le vœu de construire une réplique exacte du sanctuaire. En 1879, les travaux débutent. Avec en premier lieu la construction de cette chapelle, la petite sœur de la basilique de Lourdes. Puis suivent les chantiers de deux nouvelles répliques, celle de la grotte où est apparue la Vierge, et celle du chemin en lacet qui permet de rejoindre la grotte à la chapelle. Le premier pèlerinage est un succès. 12 000 personnes se rendent au Petit Lourdes, dont le charme n'étant rien comparable avec l'original. À Hérouville, aucun miracle n'a encore été constaté.
Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Lourdes pour une émission spéciale sur une grande et belle famille de l'Église, les Assomptionnistes. La visite, vous le savez, du pape coïncide ici à Lourdes avec le 131e pèlerinage national, animé précisément par les pères assomptionnistes et présidé cette année par le cardinal Barbarin. Elle viendra, cette visite, fêter le 150e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. C'est une occasion pour l'Assomption de faire de ce moment un temps fort pour l'Église. Alors qu'est-ce que l'Assomption? Qui compose précisément cette communauté? De quoi et de qui sont composées ces familles religieuses? Quels sont ses défis? Quelle est sa mission? Comment s'organise ici, notamment à Lourdes, l'aide aux malades? C'est ce que nous verrons pendant près d'une heure avec nos très nombreux invités ici présents. Je vais vous en présenter certains qui sont ici au premier rang, à commencer par le père Noël Lebousse. Bonjour mon père, vous êtes vous directeur du pèlerinage national. À vos côtés, sœur Geneviève Langlomerine. Bonjour ma sœur, vous êtes petite sœur de l'Assomption. Troisième invité, sœur Hélène Bureau. Bonjour ma sœur, vous êtes vous une jeune sœur religieuse de l'Assomption. Sœur Marie-Serge est également avec nous, elle est oblate de l'Assomption. Et puis on salue le père Denis Ledogar, qui est lui aussi assomptionniste. Et puis enfin, Étienne Benali, vous êtes vous, monsieur handicapé. On verra avec vous comment vous vivez, vous, précisément, ce pèlerinage. Alors tout de suite, on va mieux faire connaissance donc, avec cette grande famille de l'Église. Vous allez voir à travers la vision du provincial. Regardez. Le pèlerinage national de Lourdes de l'Assomption est marqué cette année par la venue de Jean-Paul II. Le rassemblement du 15 août est organisé depuis sa création par la Congrégation des Assomptionnistes. Notre fondateur, qui s'appelle le père Emmanuel d'Alzon, qui était longtemps un vicaire général à Nîmes, donc c'est un diocésain, nous a fondé en 1850, en voulant des religieux vivant en communauté selon la règle de Saint-Augustin, donc avec une vie fraternelle, et Dieu sait que c'est exigeant de vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis. Il voulait en plus que cette communauté soit apostolique. Donc dans le côté apostolique, il y avait la mission. Et au XIXe siècle, ce qui était important, un peu l'état très, très difficile que connaissait la France, il voulait un sursaut spirituel et il voulait peser sur tous les leviers de la société. Alors, un des leviers, c'était l'éducation. La société française allait se construire quasiment sans Dieu. Donc, on parlait des droits de l'homme à un moment donné. Et les religieux assomptionnistes, dès les premiers temps, voulaient défendre finalement les droits de Dieu parce qu'ils disaient sans la prise en compte de Dieu dans la vie de cette société. Les droits de l'homme, ça va être n'importe quoi. Le père Anthony est responsable depuis 5 ans de la province de France qui s'étend à 10 pays au-delà de l'Hexagone, en Europe et en Orient. Je bénéficie d'une magnifique vue sur le sud de Paris qui me rappelle souvent la mission qui doit être celle des assomptionnistes. D'un côté, il y a l'Observatoire de Paris qui rappelle la science et l'importance de toute la recherche intellectuelle, tout le progrès. Nous avons ici des ateliers d'artistes, donc pour moi cela représente le lien qu'il doit y avoir entre le monde de la culture, le monde de la science. Un peu plus loin, l'Église représente un peu cette présence de l'Église au cœur de la société. Elle se trouve juste en face de la prison de la santé. Et il me semble qu'on résume là bien ce qui est un peu aussi cette proximité avec le social. Et plus loin, le 13e montre la mission lointaine, c'est le quartier chinois. Beaucoup de religieux sont ce qu'on appelle fonds du social, c'est-à-dire sont des aumôniers d'hôpitaux, sont des aumôniers de prison, sont même des professionnels de la santé ou sont des professionnels dans les milieux éducatifs, donc, ou que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les sans-papiers. Dans notre règle de vie, nous avons une devise quasiment qui est d'aller là où Dieu est menacé dans l'homme et aller là où l'homme est menacé en Dieu. Si on demande aux assomptionnistes de caractériser leur esprit, notre fondateur répondait en disant en fait chez les assomptionnistes il n'y a pas tellement de chapelle, c'est l'amour du Christ. Donc le Christ est au cœur de la vie comme de tout chrétien d'ailleurs, on ne fait que rappeler l'essentiel, c'est que le Christ est au centre.
et ceux que le Christ a aimés, la Vierge, Marie, et son épouse, et l'Église. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté pour nous, nous représentons la Vierge en même temps à travers une statue qui symbolise toute la tradition de l'Occident, toute la tradition un peu artistique occidentale, et une icône qui représente la tradition orientale, parce que l'Assomptionniste, dès les origines, notre première mission a été en Bulgarie, c'était d'ailleurs le pape qui nous avait envoyé en Bulgarie, et en Bulgarie, nous sommes de rite oriental. Donc nous sommes très sensibles à ce que disait le pape Jean-Paul II, que nous respirions bien avec les deux poumons, l'Occident et l'Orient. Et voilà, on l'aura bien compris, c'est effectivement le cœur ici hein, de la mission. Alors on a parlé tout à l'heure en vous présentant des petites sœurs de l'Assomption, des oblates de l'Assomption, des religieuses de l'Assomption, des augustins de l'Assomption. Ça mérite quand même une petite explication sur la terminologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes branches d'une même famille ? Augustin de l'Assomption parce que nous suivons la règle de saint Augustin. De l'Assomption, parce que nous sommes nés dans un collège qui s'appelait le collège de l'Assomption. Oui. Mais notre règle est celle de Saint-Augustin. Voilà, en ce qui nous concerne, nous, Augustins de l'Assomption. Et pour les sœurs oblates, les sœurs, pareillement. D'accord. Alors, quel est le message vraiment de ce pèlerinage organisé cette année, comme chaque année ? Le message, eh bien, nous le prenons dans la tradition de Lourdes et avec le diocèse de Lourdes, la pastorale de Lourdes. Le thème cette année, c'est « Seigneur, sois mon rocher, sois mon appui ». Un thème qui varie d'année en année, suivant ce qui est proposé. Mais le message de Lourdes, le message profond, c'est la conversion, l'appel à la conversion. Si Lourdes a tant de succès, je crois que c'est parce que son message correspond véritablement à celui de l'Évangile. Hein, l'appel à une conversion intérieure, et tout est fait pour cela. Alors, les malades sont bien sûr, on l'aura compris, surtout ici à Lourdes, au cœur hein, de ce pèlerinage. Le pape viendra ici parmi les malades, en tant que malade, une signification bien, bien particulière. Oui, vous dites bien au cœur. Pour nous, en tout cas, nous avons toujours voulu placer les malades, les personnes malades, au cœur de notre pèlerinage. Hein, on disait tout à l'heure, c'est le poumon, parce que ce sont ceux qui sont marqués par la souffrance, par la maladie, et que nous tenons beaucoup à cette proximité. Nous croyons aussi à la miséricorde de Dieu pour eux. Alors le pape vient, oui, comme malade, parce que lui aussi, par l'âge, par la maladie, il est fragilisé, son corps est fragilisé. Et je crois qu'il a beaucoup été attentif aux malades pendant tout son pontificat. Et c'est un symbole qu'il vienne ici pour le 15 août, et qu'ils se mettent au rang de malade. Une récompense aussi, peut-être, pour votre travail de mission qui vous est cher. Une récompense, peut-être, ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons par vocation à ce que l'Évangile passe. Mais nous sommes heureux, bien sûr, que le pape soit là avec nous. Sœur Geneviève Langlamurine, vous voulez mettre l'accent sur le fait que ce pèlerinage permet de rentrer vraiment en contact avec des familles pauvres, des familles ouvrières, avec une population vraiment de gens qui ne sont pas forcément gâtés par l'existence. C'est aussi ça la signification de ce pèlerinage. Oui, je crois qu'à l'origine, ça a été beaucoup ça. C'est le père Pernet, qui est un condisciple du père d'Alzon, avait ce souci que les familles pauvres et ouvrières, que nous rejoignions par des soins de santé, aillent jusqu'à la découverte de l'amour de Dieu pour eux. Et le pèlerinage, c'est un moment où on expérimente l'amour des autres mutuellement. Il y a des gens qui rendent service, des gens qui reçoivent des services. Et je crois que toute personne qui vit ce pèlerinage se sent ici présente. Nous, à l'origine, on a été très heureuse de pouvoir emmener des malades pauvres parce que, au XIXe siècle, le monde ouvrier n'était pas spécialement proche de l'Église. Et notre souci, c'était justement de mettre à portée du monde ouvrier cette proximité d'amour pour que, oui, que les personnes puissent découvrir que, ensemble, nous pouvons dire que nous sommes frères et sœurs, que nous pouvons dire ensemble notre Père. C'est ça le sens de notre vocation, finalement. Oui, une mission sociale qui a pour déclinaison donc l'écoute et la relation vraiment à l'autre. Hein. Une mission sociale qui a ce chemin, oui, de promotion humaine, de développement,
des personnes, mais qui n'a vraiment sa vraie réussite que quand elle peut arriver à ce que les gens se retrouvent sur le terrain de leur baptême, jusqu'à reconnaître qu'on est tous enfants de Dieu. Je crois que c'est une mission humaine qui va dans cette dimension spirituelle. En tout cas, un très beau pèlerinage. Hein. Vous parliez tout à l'heure de l'historique. Ben, on va voir précisément un sujet hein, relatant les différentes étapes qui ont émaillé ce pèlerinage. Regardez. Lourdes, c'est la foule. Un pèlerinage, d'abord, c'est une dimension spirituelle qui doit mettre sur les pas du Christ. Lourdes, c'est un lieu de vie extraordinaire, c'est une école de vie extraordinaire. C'est l'Église rassemblée, en particulier le pèlerinage national, qui a la chance donc, d'être très important. C'est se mettre en marche, et on sait quel est le succès de la marche, c'est partir à la rencontre. Le pèlerinage étant la loi éternelle, je dirais, de Dieu sur l'homme, hein, puisque la vie n'est qu'un pèlerinage. Le pèlerinage est dans l'air du temps. Le pèlerinage national qui se déroule autour de l'Assomption à Lourdes est aujourd'hui une véritable institution. Chaque année, il rassemble pendant 5 jours 7000 pèlerins, dont plus d'un millier de personnes malades et handicapées. Le jour du 15 août, plus de 30 000 personnes assistent aux cérémonies dans le sanctuaire. L'aventure du pèlerinage national, avant qu'elle ne prenne cette ampleur, est avant tout une belle histoire qui débute discrètement en 1870 dans une France traumatisée par la guerre et par les affrontements sanglants de la Commune. Au cœur de la tourmente, un mouvement de rénovation spirituelle se développe afin de prier et d'agir pour le salut du pays. Ces pionniers demandent alors l'aide de la jeune congrégation des Assomptionnistes fondée à Nîmes quelques années plus tôt par le père Emmanuel d'Alzon. Les pères François Picard et Vincent de Paul Bailly répondent à l'appel et se joignent au mouvement. Le groupe constitué de laïcs et de prêtres crée alors en 1872 l'association Notre-Dame du Salut dont l'une des initiatives est d'organiser des pèlerinages. C'est ainsi que le tout premier pèlerinage national a lieu l'année suivante à Lourdes. Le 21 juillet 1873, 492 pèlerins osent l'aventure en empruntant le chemin de fer pour la petite vallée des Pyrénées. La même année, afin de mieux faire connaître l'existence des pèlerinages, l'association crée l'hebdomadaire Le Pèlerin, qui sera le premier titre de presse à l'origine du groupe Bayard. Le Pèlerin a donc le même âge que le pèlerinage national. Les pères assomptionnistes en ont l'intuition dès le départ. Et qu'est-ce que c'est que Pèlerin au démarrage? C'est un petit bulletin d'une vingtaine de pages demi-format sans aucune image. C'est tout simplement le bulletin de liaison des gens qui partent en pèlerinage avec le père assomptionniste. Alors, il faut imaginer le contenu. C'est un contenu très pratique, les heures des trains, les détails pratiques sur l'organisation des pèlerinages. Et puis, très vite, le magazine s'enrichit, parce que c'est un tout petit magazine, il s'enrichit du récit des pèlerinages. Je me souviens avoir lu dans un certain nombre d'exemplaires de pèlerins, au lendemain du pèlerinage national, le compte rendu des guérisons qui avaient eu lieu à Lourdes. Guérison numéro 1, guérison numéro 2, guérison numéro 8, et puis la suite à la semaine prochaine, quelques années plus tard, au moment où les pères assomptionnistes réorganisent à nouveau des pèlerinages vers la Terre Sainte, on aura alors des grands récits épiques qui sont le récit de ces pèlerins qui, pendant un mois, deux mois, partent en mer et puis par caravane jusqu'à Jérusalem, où d'ailleurs, par souscription, les lecteurs de pèlerins bientôt construiront ce qui deviendra Notre-Dame de France. Le train pour l'accès, la photographie pour la notoriété,
ainsi que les guérisons qui impressionnent, participent au succès grandissant des pèlerinages à Lourdes. Les personnes malades et handicapées, toujours plus nombreuses, affluent vers la grotte de Massabielle. Rapidement, la nécessité de les prendre en charge de manière organisée se fait sentir. Dans ce contexte, des laïcs, désireux de venir en aide aux prêtres assomptionnistes, fondent en 1880 l'Hospitalité Notre-Dame du Salut. Ils prennent ainsi en charge les soins et les déplacements des malades venus en pèlerinage. À partir de cette époque, tous les éléments sont posés pour que la foule se déplace massivement à Lourdes. Plus d'un siècle après, l'Hospitalité Notre-Dame du Salut poursuit sa mission dans le cadre du pèlerinage national. Des générations de bénévoles se succèdent auprès des personnes souffrantes avec une motivation qui reste absolument identique à celle d'origine. Servir le Christ à travers les malades. Cette espèce de miracle, de chaîne continue qui, depuis 120 ans, fait que chaque année, on a 3000 bénévoles. C'est au cœur des vacances scolaires et donc on a énormément de jeunes. Et sur les 3000 hospitaliers qui sont là, on a 2000 jeunes qui ont moins de 30 ans. Lourdes leur propose, ce que malheureusement ne sait pas toujours faire la société aujourd'hui, Lourdes leur propose d'exercer leur générosité. Lorsqu'on a la patience de s'asseoir à côté du malade ici à Lourdes, je vous assure, c'est une drogue géniale. C'est la meilleure des drogues. Mais vous rendez compte, toucher, que mes mains d'hommes, de prêtres touchent la souffrance quotidienne, ça c'est une grâce. Et moi je me mets à genoux, certes, devant le Saint-Sacrement, mais moi j'ai envie de me mettre à genoux devant le pauvre, celui que je rencontre moi, qui est le malade. Parce que ça, c'est l'image de Dieu. C'est la même image qui fait que de temps en temps, vous pensez que Dieu, peut-être, n'existe pas. Peut-être, quelque part, mais... Vous savez... Non, je ne devrais pas dire... Je veux dire autrement, il n'y a que le doute fécond qui fait avancer l'homme. En 1873, il n'était qu'une poignée de pèlerins à se déplacer pour Lourdes. Plus d'un siècle après, les pèlerinages à Lourdes se sont multipliés. Les diocèses qui venaient encore constituer au pèlerinage national ont créé eux aussi leur propre pèlerinage diocésain. Néanmoins, le national continue de rassembler des foules venant de France et d'Europe et de s'adapter aux générations qui se succèdent devant la grotte de Massabielle. Moi, je crois que notre survie, je crois que c'est une question de survie, en tant que pélé, nous condamne à inventer. Le pélé jeune, le pélé vélo est une tentative. L'année prochaine, je sais que le pélé jeune va organiser un pèlerinage à pied à partir des environs de Lourdes. C'est une autre tentative. Et sans doute qu'il faudra réfléchir et essayer de trouver encore d'autres manières de faire pèlerinage pour l'Église d'aujourd'hui. Je crois très sincèrement que les pèlerinages aujourd'hui ont un rôle à jouer dans le renouveau de l'Église et de l'Église catholique. Le pèlerinage est en ce sens, dans la modernité, qu'il permet une démarche de caractère individuel. Cette sensibilité d'individualisme que parfois on montre du doigt dans la société moderne comme étant un des travers de la société moderne, je pense très sincèrement qu'il faut que les organisateurs de pèlerinage sachent l'intégrer, sachent l'assumer complètement, parce qu'en répondant à la demande individuelle de chacun, en lui apportant un petit peu sur mesure ce qu'il est en droit d'attendre de sa démarche spirituelle, je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut le faire rentrer dans un mouvement plus collectif, plus communautaire, qui est une véritable démarche de foi et qui est la construction de l'Église de demain. Le pèlerinage reste plus que jamais au cœur de la vie chrétienne et nous montre aujourd'hui que l'Église n'est pas en train de vieillir, bien au contraire. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, je ne dis pas que l'Église est mise un petit peu en accusation, mais en tout cas, ce dont les gens ont besoin, c'est de témoignages forts. On cherche des gens qui ont quelque chose à dire, on cherche des gens qui ont des tripes. Et je crois que quelqu'un qui est allé en pèlerinage, quelqu'un qui a vécu ou Lourdes ou Saint-Jacques-de-Compostelle et qui a des choses à dire sur sa motivation, on est attentif à ce qu'il va nous dire, parce que vraisemblablement, dans ce qu'il va nous dire, il va nous dire des choses essentielles sur nous-mêmes et peut-être nous engager nous-mêmes dans une démarche de pèlerinage. Ça fait quelque chose quand même d'aller sur un lieu comme ça où il y a eu une apparition
et d'arriver dans cet endroit où il y a tout ce monde et de voir qu'il y a autant de monde et des jeunes aussi qui croient, qui continuent à croire et qui continueront à croire, ça encourage dans le cheminement chrétien, c'est ce que je pense. Le pèlerinage national a encore de belles pages à écrire dans son grand livre. Cette année, des lignes d'une profonde dimension viendront s'ajouter aux précédentes, inscrites dans notre temps par le pape Jean-Paul II. Des mots et des prières qui, encore une fois, suivront le cours du GAF pour toucher à jamais le cœur de ceux qui ont soif d'un monde qui avance. Oui, on l'aurait bien vu, mon père, à travers ce petit film, hein, c'est la famille religieuse, à la fois moderne, mais très ancrée également dans la tradition. Hein. Ce sont les deux aspects un peu de cette congrégation. Oui, ce qui m'enthousiasme en regardant ce reportage, c'est de voir l'enthousiasme et l'audace des religieux qui ont lancé le souci qu'ils ont eu de toucher le plus possible les foules, la masse des gens. Et cela s'est fait en collaboration avec les religieuses. On parlait d'esprit augustinien tout à l'heure. S'il n'y avait pas eu les petites sœurs, peut-être qu'il n'y aurait pas eu les malades. On a toujours travaillé avec les oblates, etc. C'est vraiment le pèlerinage de la famille, d'une part. Toucher les foules, la masse, avoir le souci de ce qu'on appelle la religion populaire pour l'évangéliser, en quelque sorte, quoi. Et ce qui me frappe aussi dans cette histoire, c'est que d'emblée, les religieux ont travaillé avec des laïcs. Il a fallu faire appel aux hospitaliers, mais dans d'autres domaines de notre vie de religieux assomptionniste, nous avons aussi travaillé avec des laïcs. Et ça, c'est un trait assez fort, me semble-t-il. Oui, c'est une dimension très importante. Alors, de la recherche théologique également à la mission lointaine, hein, voilà. C'est ça les objectifs. Oui. On l'aura bien compris. Avec bien sûr une volonté d'emblée hein, d'aller au contact de ces églises orientales, d'aller dans l'Est de l'Europe avec des démarches très difficiles à l'origine. Oui, ça n'a pas été simple que d'aller vers des pays que nous ne connaissions pas d'emblée, mais nous avons eu le souci d'être attentifs au problème de la formation par la scolarité. Les sœurs oblates également ont été très proches de ce monde populaire, de ce peuple, de ce petit peuple, pour essayer de l'élever, de lui apporter quelque chose. Alors ma sœur, vous êtes religieuse de l'Assomption, vous êtes entrée en 96, vous avez fait vos vœux perpétuels il y a deux mois, hein, c'est bien sûr très récent, et vous avez découvert les sœurs en fait en venant en pèlerinage ici. Il y a eu un effet de contagion. Oui, on peut dire que j'ai attrapé le virus, on peut ouais. dire ça comme ça. Ça fait donc une dizaine d'années, je démarrais ma vie professionnelle avec passion, enthousiasme. Et en même temps, on m'avait parlé de Lourdes, j'étais jamais allée. Des amis m'en ont parlé, j'ai eu envie d'aller voir, avec un peu de crainte quand même, parce que j'avais l'idée d'un sanctuaire un peu, bon, des aspects qui peut-être m'attiraient pas trop. Et puis ça a été un choc pour moi, Lourdes. Lourdes, pour vous, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre, de plusieurs rencontres en fait. La rencontre, je dirais d'abord avec l'Église. C'est une rencontre visuelle parce que tout d'un coup, on est au milieu d'une foule immense, très bigarrée, avec des gens du monde entier. La rencontre avec l'humanité et sa faiblesse, et du coup, la rencontre avec ma propre faiblesse aussi, et puis la chance que j'ai, moi, d'être sur mes deux pieds et de pouvoir marcher, ça c'est un choc aussi. La rencontre avec le message de Bernadette, qui n'est pas seulement quelque chose du 19e siècle, mais qui a une force pour aujourd'hui. Message de vie toute simple hein, et de vie tournée vers Dieu. Aujourd'hui, voilà. Quand on a une trentaine d'années et qu'on s'investit comme ça dans une telle mission, pourtant dans une époque où on le sait, la société est sécularisée, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme message derrière tout ça? Un message avant tout d'espérance? Oui, et puis que ce qui donne sens à la vie, c'est bien le service des autres, c'est cet amour fraternel qui fait qu'on n'est pas seulement soucieux de son propre épanouissement, bien sûr ça c'est important et c'est ce que tout le monde cherche et c'est normal, mais que cet épanouissement il passe par un dépassement de soi, une sorte de générosité qui fait que de temps en temps on s'oublie un peu parce que d'autres ont besoin de nous.
Et finalement, c'est ça qui fait le bonheur, quoi. Voilà. Il y a un épanouissement aussi qui vient de la beauté de ces lieux. On voit le réalisateur nous montrer ces belles images depuis le début de l'émission, avec ces collines, ces montagnes qui sont superbes, ces basiliques ici derrière, et puis bien sûr, c'est cette grotte sur laquelle on a la vue. Tout ça contribue peut-être à... Lourdes, c'est un peu un lieu magique. Il y a le Gave avec cette fraîcheur qui s'en dégage tout le temps, la couleur de l'eau qui est assez fascinante. Et puis, c'est comme une petite ville dans la ville. On finit par connaître tous les recoins. On finit toujours par croiser des gens qu'on connaît. Et voilà, on s'y sent chez soi, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un lieu assez... qui est une sorte de magnétisme qui s'en dégage, quoi. On devient attaché à ce lieu parce qu'on y vit des choses fortes, quoi. Et puis, malgré toute cette foule, malgré tous ces gens qui passent, c'est un lieu de silence. Et je crois que ça aussi, ça a été une rencontre pour moi, la rencontre avec la force de la prière et la force du silence. Voilà, devant la grotte, être là avec plein d'autres gens et faire silence en soi et sentir la présence de Dieu à l'intérieur de ce silence, ça c'est formidable. Un lieu propice à la prière, un lieu également, ma sœur, propice à l'écoute. Hein. C'est une dimension ici très, très importante parce que les gens viennent se confier, viennent parler à la Vierge. On les voit concrètement. Hein. Oui, moi je suis venue à Lourdes la première fois avec le pèlerinage national au moment de la naissance du Pélé Jeune. Alors, c'était un événement extraordinaire, le Pélé Jeune, parce que c'était la naissance des grands rassemblements. Aujourd'hui, on est moins étonnés parce que les rassemblements se multiplient un peu partout. Mais à cette époque-là, le Pélé Jeune était un petit peu unique. Moi, j'étais jeune religieuse et j'ai eu la chance de participer au début du Pélé Jeune avec les pères assomptionnistes, puisque, comme le disait le père Noël Debousse, nous, les Oblates, on a été fondés en 1865 par le père d'Alzon pour... travailler avec les pères assomptionnistes et aller vers ceux ou celles vers qui les hommes à cette époque ne pouvaient pas aller, en particulier dans les pays d'Orient. Oui, c'est la dimension missionnaire. Voilà, c'est la dimension missionnaire. Et donc ici, eh bien, on se retrouve rencontrant des gens de toute race, de toute langue, de toute... Et pour moi, en premier, enfin, venir ici, c'est venir à un rendez-vous de famille. C'est un rendez-vous où je rencontre des frères, des sœurs, d'abord de la famille assomptionniste, et c'est très important. Et aussi d'autres gens que l'on revoit plusieurs fois quand on vient plusieurs fois de suite. Alors moi, depuis une dizaine d'années, je suis plus particulièrement dans un service à la Cité Saint-Pierre. Ouais. Et vous êtes aumônier, hein. Alors je suis aumônier dans mon lieu de vie. Je suis dans un hôpital, oui. Ouais. Mais ici, donc, on a eu l'intuition il y a quelques années avec le père Michel Carrière et le père Noël Debousse de lancer ce service à la Cité Saint-Pierre. Justement pour faire le lien entre les pèlerins qui sont là-haut, qui viennent avec les trains du national, ouais, et le pèlerinage national, et pour justement vivre avec eux l'écoute, le partage, être frère avec eux et sœur là-haut avec eux. Et là-haut, c'est vraiment la société des nations, parce que vraiment, il y a tous les peuples, toutes les races, toutes les langues. Justement, le fait que ce soit un lieu qui brasse énormément, voilà, de monde, oui, n'est pas quelque part aussi un peu un handicap, non? Le fait que les rencontres soient ponctuelles, mais très intenses, contribuent à... Non, je crois, parce que tous ceux qui viennent là viennent pour, je veux dire, la même chose. C'est-à-dire, ils viennent pour rencontrer Dieu, sans doute, rencontrer Marie, oui, et puis aussi rencontrer les autres. Moi, je suis frappée de plus en plus de voir comment la rencontre de Dieu, elle passe par la rencontre des autres. Et donc, quand on vit à la Cité Saint-Pierre, ce qu'on a la chance de vivre au niveau de l'accueil d'abord qu'on reçoit, que reçoivent les gens, de l'accueil que l'on essaye de vivre avec les permanents là-haut et puis entre nous, eh bien, c'est vraiment un temps de grâce, un temps extraordinaire de ressourcement et d'ouverture aussi. Oui, on vous voyait, vous, intervenir, Père, dans le reportage tout à l'heure. Soulignons également que Catéo a diffusé tout un reportage sur votre travail d'accompagnement des malades, les malades que vous connaissez bien. Et vous disiez tout à l'heure, c'est la meilleure des drogues, hein, que cette rencontre. Oui, parce que ça fait ma 20e année que je viens à Lourdes pour accompagner les malades. Et quand je reviens dans mon hôpital, on me dit souvent, mais t'en as pas ras-le-bol, au lieu de passer des vacances ailleurs, tu vas encore à Lourdes. Et pourtant, vous vivez vraiment des moments très, très critiques, hein, avec des malades souvent que vous ne revoyez pas. Mais parce qu'ici, à Lourdes, il y a une autre approche. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup la dimension spirituelle. C'est enseigné dans les facs de médecine, c'est enseigné dans les écoles d'infirmières. On a du mal à le mettre en place souvent dans les hôpitaux, les grands hôpitaux. Et ici, à Lourdes, j'ai l'impression que c'est naturel. J'ai l'impression que je touche là le malade dans toutes ses dimensions. Et
quand je viens ici, je dis moi je marche, je peux me promener, quand je vois des sourires, quand je vois des malades qui sont paralysés, qui sont abîmés dans leur cœur, dans leur corps, quand ils sont capables de me dire, mais tu sais, Denis, malgré cela, je crois que Dieu m'aime. Moi, je me sens petit et je regonfle mes batteries en entendant cela. Parce que quand je reviens aussi alors dans mon hôpital, on me dit, alors est-ce qu'il y a eu des miracles? Parce qu'on est toujours focalisé sur les miracles. Et je me dis, au bout de 20 ans, les plus beaux miracles, c'est de voir des malades capables d'avoir un petit clin d'œil, capables de dire, ben, Seigneur, je te fais confiance. J'ai l'impression que cette maladie me déshumanise, mais allez, je continue avec toi. Et je crois que c'est ça qui me permet un peu de continuer ce chemin. Alors, les assomptionnistes regardent l'évolution de la société avec beaucoup d'acuité. Vous suivez l'information, vous savez qu'il y a ce débat à l'heure actuelle sur l'euthanasie. Euthanasie active, euthanasie passive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes confronté vraiment à ces cas de figure? Moi, je crois que les nouveaux textes, enfin les nouvelles propositions de loi, vont un peu dans le bon sens. Parce que nous demandent les malades, finalement? Ils ne veulent pas d'acharnement thérapeutique. Or, je crois qu'il faut que le corps médical entende cela. Les gens, aujourd'hui, ont du bon sens. Ils estiment qu'à un moment donné, quand on a tout tenté, eh ben, il faut laisser faire peut-être la mort son œuvre plus naturellement. Et je crois qu'une société qui se respecte, qui veut rester démocratique, il me paraît difficile d'inscrire dans son arsenal législatif qu'il est permis de donner la mort. Moi, je trouve que je préfère l'autre alternative qui est celle de donner la main, de dire un frère en humanité qui vit ses derniers jours, eh ben, je suis à tes côtés, je resterai avec toi. Tu ne seras pas seul dans ce chemin, bien qu'à un moment donné, le passage se fait tout seul. Moi, je reste sur cette rive. Mais lui franchit l'autre rive. Et je préfère cet humanisme-là parce qu'il me semble plus respectueux de l'homme. Ouais, l'Église de France s'est bien exprimée, bien sûr, récemment sur cette question. Vous, Étienne Benalian, en tant que malade, comment vivez-vous précisément ce pèlerinage? Vous en avez du reste une bonne expérience. J'en ai une bonne expérience, oui. Je suis venu au début parce qu'on me l'avait proposé, sans enthousiasme. Bon, puis j'ai laissé passer quelques années, puis j'ai connu le national par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait des responsabilités ici, qui faisait partie d'un groupe de prière. Ouais. Mais comment perçoit-on, excusez-moi de vous couper, oui. Mais comment perçoit-on toute cette aide reçue ici quand on est malade? Votre silence en dit long, sûrement, sur ce sentiment. C'est-à-dire que l'aide reçue, elle n'est pas forcément facile à dire, quoi. Et c'est ce qui m'a fait... Oui, parce que derrière cette dépendance... C'est ce qui m'a fait revenir chaque fois. Je me suis dit... bon, c'est-à-dire que moi mon histoire est un peu différente. Hein. C'est-à-dire que je me suis fait baptiser après. C'est ça, donc il y a une conversion, en fait, j'ai par la suite. J'ai eu une conversion. Oui. Voilà. Mais lente et... Alors, parlez-nous précisément de ce tournant dans votre existence, parce qu'il y a un avant et un après. Oui, un avant et un après. Alors, quelles sont les circonstances? Les circonstances? Tu sais, c'est des moments très, je veux dire, très personnels, mais c'est difficile de se confier là-dessus. C'est toujours douloureuse, bien entendu. Au bout d'un jour, je me suis rendu compte que je n'étais pas comme les autres. Il a fallu que j'accepte que j'étais handicapé et qu'on me regardait d'une autre manière. Et des questions sont arrivées et je me suis demandé ce que je foutais là, sur cette terre, qu'est-ce que ça voulait dire, un quotidien qui ne m'a mené nulle part. Et voilà, petit à petit, j'ai déprimé, etc. Et puis, finalement, j'ai envie de dire que, sans le savoir, j'étais un peu sur le chemin de Damas. Mmh. Voilà. Parce que c'est ça. Mais c'est en venant ici ou en fréquentant des groupes de prière que, petit à petit, ça s'est éclairé. Parce que j'avais l'impression de tourner en rond. Ouais. On ne cherche pas uniquement la guérison ici. On ne cherche pas uniquement la guérison ici. On cherche aussi la force et l'espérance, visiblement. C'est une guérison. C'est une guérison. La guérison du cœur. Quand vous avez des jambes que vous ne savez pas où aller, c'est une maladie aussi. Oui.
C'est une belle expérience. Merci, monsieur, de nous la relater. On va également interviewer la sœur Myriam Collomb. Vous êtes responsable, vous, des petites sœurs de l'Assomption. Vous êtes infirmière. Vous travaillez également, hein, comme le père, dans une unité de soins palliatifs. Oui, au niveau de ma vie professionnelle, je travaille comme infirmière dans une unité de soins palliatifs depuis de nombreuses années. Oui. Oui. Mais je viens ici en pèlerinage à Lourdes aussi dans une autre démarche. Je suis aussi infirmière, mais on forme un seul peuple avec les gens ici, avec les malades. On est dans une démarche de pèlerins. Ils sont pèlerins, nous sommes pèlerins. Et nous allons tous prier Marie, parce qu'on est tous des pauvres. Et ouais. on va à la grotte de cette manière-là. Voilà. Ouais. Il y a une vraie liberté qui se manifeste chez des gens qui sont pourtant assistés. Il y a une vraie communion. Je crois que la manière de rendre service, on reçoit autant que ce qu'on donne. Quand on aide quelqu'un, on reçoit beaucoup de lui. C'est un échange dans la réciprocité. Oui, je crois. Il y a une égalité à ce niveau-là. Oui, échange dans la réciprocité, oui. Qui se traduit comment pour vous? Par rapport à ce qu'on reçoit comme parole, oui. Comme amitié, comme tendresse, comme, oui, comme geste, comme participation, célébration ensemble, un peu tout cela, oui. Alors, à côté de vous, il y a une jeune sœur religieuse de l'Assomption. Est-ce que vous voyez vraiment des... Est-ce que vous pouvez d'abord vous lever, parce que je crois qu'on vous voit mal à l'écran, ma sœur. Quels sont les signes d'espérance que l'on peut déceler aujourd'hui dans l'Église, vous, qui, comme la sœur qui est ici au premier rang, êtes engagée là récemment? Oh, je crois qu'il y a beaucoup de signes d'espérance que l'on peut voir à Lourdes. Moi, j'ai fait le pèlerinage beaucoup avec les enfants. Et il suffit de regarder les enfants heureux de, quelquefois, de ne pas bouger, mais simplement d'être là et de pouvoir jouer simplement avec les autres et de découvrir que la foi, c'est toute une vie. Ouais. Quelle est l'importance, est-ce que vous pouvez nous le préciser, de cet engagement aujourd'hui pour les jeunes? Parce que c'est vrai que des jeunes, on en voit beaucoup à Lourdes. Hein. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est important de s'engager auprès des jeunes parce qu'ils sont là, parce qu'on a besoin d'eux, tout simplement. Et puis, je crois que ben, sans eux, on ne peut pas avancer, quoi. Donc, on a besoin d'eux, tout simplement. On a besoin d'eux. À côté de vous, il y a le père Michel Carrière, dont on évoquait le nom tout à l'heure. Vous êtes, vous, assomptionniste, vous travaillez à la cité Saint-Pierre depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler vraiment des grandes étapes là, qui ont été maillées ces derniers temps? La première année, donc il y a 10 ans, c'est le Père Noël Lebousse qui me dit « tu vas à Lourdes, tu regardes, tu es attentif, tu crées des liens ». Et donc on s'est retrouvés avec Marie à la cité Saint-Pierre, et puis en même temps des liens avec l'espace Vie et Foi, qui nous a permis de créer des petits groupes pour une relecture de vie de petites gens que l'on n'avait jamais écoutés. Et le miracle était là. Les écouter. Et de voir comment, à partir de cette écoute-là, naissait la prière, les temps forts, les liens que l'on faisait avec le national sur l'esplanade. Et puis en même temps, dans les partages, on était attentif à tout ce qui pouvait être tremplin, révélation pour eux. Et le fait d'être de différentes cultures, de différents pays, entre autres la Bulgarie qui est venue plusieurs fois, etc., les Africains, nombreux, toute la mission africaine de la région parisienne, eux qui avaient quelques sentiments un peu racistes, tout ça, ils se disent, mais finalement, on est tous frères. Et il y a une grande amitié qui est née, et en même temps, ils se disaient, mais dans ma rue, je connais un tel, même un arabe, avec lui, je vais fraterniser. Alors, vous parlez d'écoute, mais comment se passe cette alchimie? Est-ce qu'il faut être formé pour pouvoir écouter? Je crois que l'écoute, c'est l'accueil, signifié par notre présence, notre reconnaissance de leur présence, et puis les aimer. Ben c'est en tout cas un beau message. Merci d'avoir témoigné dans cette émission. À vos côtés, le père Jacques Nieuwaerts. Mon père, vous serez en tous les cas directeur de ce pèlerinage à partir de 2005. On va parler avec vous peut-être en un mot de l'avenir, car c'est sur vous que reposent un peu les destinées, je dirais, de ce magnifique pèlerinage. Je crois que je viens de Lourdes depuis 35 ans environ. Oui.
Et quand on m'a demandé de prendre la responsabilité à l'avenir de ce pèlerinage, j'ai d'abord beaucoup de gratitude pour tous ceux qui sont passés le flambeau. C'est l'année où on parle de la flamme olympique, mais là, il y a une flamme qui a été transmise au fil de 130 années de fidélité. De venir au pied de la grotte, je crois que ce que représente Lourdes, c'est la grotte au pied de laquelle on vient parce que nous sommes des pauvres. Je crois que Marie, au pied de Marie, on est tous comme des pauvres. Et l'intuition qui me semble importante, c'est celle que nous avons entendue plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est qu'on vit, on apprend l'évangile en étant des frères ensemble. Et donc, si un projet, c'est bien de s'inscrire dans ce grand souffle et de vivre de fraternité, que ce soit entre pèlerins valides, entre non-valides, et entre tous. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut goûter, concrètement, vivre une expérience de l'Évangile. Prier pour la France, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est très important. C'est très important de prier pour la France et de prier pour le monde. Ouais. Je crois que, effectivement, vous faites allusion au fait que le pèlerinage national a dans son histoire, mais je ne peux pas le refaire en quelques instants, et je ne la connais pas assez pour bien la faire peut-être, mais il est né au moment où, en France, on avait peut-être, au fil du temps, perdu quelques certitudes et quelques convictions évangéliques. C'est le moins de ce qu'on puisse dire. Et donc, prier pour la France, c'est aussi recevoir le souffle d'évangile pour nous-mêmes, pour notre pays. On parle beaucoup des racines chrétiennes de l'Europe. Je crois que prier pour la France, c'est se rendre perméable à ces racines évangéliques de l'Europe et de la France et de l'Europe. Vous voyez, je fais le lapsus parce que, incontestablement aujourd'hui, on vient de parler de l'internationalité. Prier pour la France, c'est prier pour que notre pays soit un pays accueillant, qu'il reçoive le souffle d'évangile dont on se rend compte aujourd'hui qu'il se partage très largement. Mais comment expliquez-vous ce décalage qu'il y a entre cette aspiration à la spiritualité qui se traduit ici tous les jours par ce nombre impressionnant de pèlerins, et puis le fait que la Constitution, elle, ne la reconnaît pas finalement, cette dimension-là? C'est difficile à expliquer. C'est sûrement pour de multiples raisons, d'ordre politique, d'ordre idéologique. Il me semblerait, on attribue à Malraux le mot « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas hein ». Et je pense qu'on touche aujourd'hui à un renouveau spirituel très important. Donc je pense que si on mesure des décalages, c'est très préjudiciable, c'est préjudiciable à notre âme, à notre vie. On a besoin de pouvoir reconnaître ces racines spirituelles parce qu'on a profondément besoin de les développer. Alors je ne vais pas réécrire la Constitution, mais j'aimerais qu'on contribue à ce souffle d'évangile. Merci beaucoup. Vous allez passer votre micro maintenant à Guylain Lafond. Bonjour monsieur, vous êtes président de l'association Notre-Dame de Salut. Vous êtes le premier laïc à vous occuper de cette association. Est-ce qu'on peut évoquer avec vous ce lien sensible ô combien entre les laïcs et les religieux? Ah oui, ça bien sûr. Moi, je suis comblé. Oui. Sur un curriculum vitae, vous voyez, quand vous avez marqué président de l'association Notre-Dame de Salut pour un chasseur de tête, à mon avis, il ne vous reçoit pas. Mais à mon avis, il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que être président de l'association Notre-Dame de Salut, après cette multitude de religieux qui se sont succédés, c'est une grande joie. Mais la deuxième grande joie, c'est de travailler avec des religieux. Et je crois que les assomptionnistes sont pionniers dans la confiance avec les religieux. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Bayard, secteur religieux, directeur des ressources humaines, et maintenant, depuis 4 ans, je travaille avec eux dans la confiance. Et je crois que chacun reçoit de l'autre. Moi, je suis dans un chemin de conversion et j'ai aussi l'impression que quelquefois des religieux, par des laïcs, puissent aussi finalement avoir une autre vue. Mais c'est cette confiance qui est importante. Troisièmement, c'est en ce moment cette joie immense de travailler avec l'évêque de Lourdes, avec Mgr Perrier, avec ses équipes, avec la découverte de l'hospitalité Notre-Dame de Salut. Tous ces gens, en fait, qui donnent leur temps, qui donnent leur vie et qui donnent beaucoup d'amour. Et moi, je suis touché par ça. Les laïcs qui ont, bien sûr, on l'aura bien compris à travers votre intervention, une place aujourd'hui très, très importante dans l'Église. Une place, en fait, dictée par Vatican II, tout simplement. Oui, bien sûr. Qui a joué un rôle de détonateur à ce niveau-là. Oui, alors Vatican II, moi, j'étais jeune, vous voyez. Vatican II, pour moi, c'est une histoire, et c'est une très belle histoire. Moi, je suis plutôt vers 2010. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que, de toute façon, soit on se retourne vers des chiffres qui sont des chiffres catastrophiques des ordinations en France, eh bien je crois qu'il ne faut pas être catastrophé, je crois que les laïcs ont leur place. Le seul risque, c'est que si je me prends pour un curé
ça, ça n'ira pas du tout. Et si les curés ou les religieuses se prennent pour des laïcs, ça n'ira pas. Je crois que chacun doit être à sa place et chacun doit être dans la complémentarité de l'autre. Voilà, je crois que c'est ça. En tout cas, moi, je suis comblé, vous voyez. Je suis sur un nuage, donc je suis content. Bah écoutez, ça se voit. À vos côtés, il est comblé également. Il faut dire qu'il en est à son 18e, je crois, pèlerinage ici, hein, le père Sylvain Gasser. Vous êtes assomptionniste. N'y a-t-il pas, mon père, un certain sentiment de routine qui peut s'installer avec le temps? N'est-ce pas un peu l'éternel recommencement, comme disait Rimbaud? Non, il n'y a pas de routine, puisque 18 pèlerinages avec des enfants, je me suis occupé principalement des plus jeunes de ce pèlerinage. Eh bien, ça permet de voir maintenant que parmi les animateurs qui m'aident à organiser ce pèlerinage des enfants, eh bien, il y a 18 ans, ils avaient 8 ans, ils en ont maintenant 26. Donc, je n'ai pas du tout sombré, je ne suis pas sombré dans la routine. Et je dirais même que pour vivre ce pèlerinage à fond, on le vit vraiment dans l'espérance grâce à ces enfants qui ont entre 8 ans, 14, 15 ans et qui finalement font le pèlerinage parce qu'ils nous apprennent, mieux encore que tous les discours, combien le contact avec les malades se fait naturellement. Un enfant qui a 7, 8 ans, il se tourne vers un enfant handicapé sans aucune peur, sans aucune angoisse. Il tend la main, il va l'embrasser, il va le prendre dans ses bras s'il le faut. Parfois, il va poser des questions, il dit « mais qu'est-ce qu'il a fait ?» ou « qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Nous aussi, on s'interdit de poser la question parce qu'elle gênerait le malade. Eh bien, moi, j'ai appris avec ces enfants à entrer dans ce contact peut-être plus humain et plus tendre avec toutes ces personnes malades. Et de la même manière, quand on voit les enfants prier, quand on les voit s'exprimer dans leur foi. Alors, ils ont tout. Ils ont la foi du charbonnier. Je vais à la grotte pour être guéri. Ou alors, si je fais mon « je vous salue », eh bien, c'est sûr, demain, j'aurai toutes les grâces qu'il faut. Il y a un peu de la foi du charbonnier, mais il y a aussi cette foi instinctive qui les pousse à communier avec le Père plein d'amour. Et moi, je peux dire que, il y a 18 années, je ne me suis jamais ennuyé. Et j'espère bien que le Seigneur me donnera encore beaucoup de ces enfants et de cette flamme pour vivre avec mes frères et sœurs dans la famille l'Assomption, mais aussi avec les milliers de laïcs qui sont là, cette espérance qui est vraiment inscrite au cœur de tous les pèlerins et des plus jeunes en particulier. Merci pour votre témoignage. Il nous reste 6 minutes et une dizaine de personnes à interviewer, 30 secondes pour chacun. Le frère Husson peut-être peut prendre le micro. Donc on parlait effectivement des malades, on peut parler des accompagnants qui viennent ici, je dirais de façon régulière. Une fois qu'on a mis le pied à Lourdes, on a le sentiment qu'on y revient naturellement. Alors exactement, moi je viens depuis presque 10 ans, depuis que je suis assomptionniste. Je viens cette année avec des cyclistes par exemple, des jeunes qui s'inscrivent sur Paris, on partira à vélo, on fera 1000 km et on descendra à Lourdes. Donc des jeunes qui ne viendraient jamais, mais qui vont venir faire ce pari et sportif et en même temps de la foi. Donc voilà, c'est des jeunes qui n'étaient pas prévus au départ, mais qui osent franchir ce pas à Lourdes. Et nous-mêmes on est un peu étonnés parce qu'on ne se douterait pas que des jeunes comme ça puissent venir simplement en pèlerinage, alors que peut-être ils diraient dans l'année que c'est ringard. Eh ben non, ils s'inscrivent et ils viennent courageusement faire les 1000 km et servir les malades pendant 5 jours. Voilà. Et oui, à vos côtés, on peut en parler justement aussi avec Jean-Nicolas Sabag, hein, qui va nous parler vraiment de l'hospitalité Notre-Dame du Salut, avec cette nécessité de tout organiser, de tout orchestrer, hein, pour que les malades soient vraiment pris dans les meilleures conditions possibles. Alors effectivement, l'hospitalité Notre-Dame de Salut, c'est presque une force ou un miracle tous les ans, puisque le 11 août au matin, il n'y a personne. Et le 11 au soir ou le 12 au matin, il y a 3500 hospitaliers, 1100 personnes handicapées et malades, et 3 ou 4 000 pèlerins qui ont tous trouvé un lit, un repas. Je ne connais pas beaucoup d'organisations civiles qui sont capables de ce genre de miracle. Donc, c'est ce fait parce que, sans doute, on est à Lourdes, parce qu'il y a une générosité fantastique, parce que cette grande famille est dirigée par des pères et des sœurs de l'Assomption qui nous ont enseigné cette ouverture et cette générosité. Voilà. Merci de vos témoignages. Peut-être Marie-Olivier, on va l'entendre, elle peut se lever, vous qui êtes en rose ici. Peut-être que pouvez-vous nous dire un mot sur ce pèlerinage que vous allez vivre cette année? Vous avez choisi non pas de bronzer comme les autres sur les plages en légumes, mais vraiment de venir ici et contribuer un peu à faire évoluer la société, et en tout cas à faire évoluer le sentiment de générosité. Alors moi déjà, je dois dire que je viens à Lourdes parce que c'est les plus beaux jours de mon année. Je les attends toute l'année. Et je me souviens que deux personnes malades m'avaient dit cette même chose, donc que c'était les plus beaux jours de leur année. Et moi, tout d'un coup, ça fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, et je leur ai dit, moi aussi, quoi.
Et c'est magique, c'est des moments de partage, de partage avec des personnes malades, avec d'autres personnes qui sont comme nous, qui sont volontaires pour être auprès des malades, pour leur apporter un peu de joie, pour leur apporter un peu d'aide. Et en fait, on se rend compte qu'eux aussi, ils ont beaucoup à nous apporter. Voilà. Alors, cette année, c'est bien sûr une année particulière. On l'aura dit tout à l'heure, on l'a bien compris avec la présence du pape. Beaucoup de gens vont venir ici pour le pape aussi. Hein. Il faut le savoir, c'est une démarche aussi un peu particulière de ces pèlerins qui vont venir pour accompagner le pape dans ses prières. Voilà, tout à fait. Oui. Et je crois que c'est vraiment important que le pape vienne à Lourdes en tant que malade. Je trouve que c'est un acte de simplicité, de... Bon, je trouve pas les mots, mais... En tout cas, on aura bien compris le message hein, subliminal qui se cache derrière tout ça. Il me reste 30 secondes. Peut-être à vous, hein, le mot de la fin, monsieur. Vous avez suivi vraiment cette émission, je pense, avec beaucoup d'intérêt depuis le début. Est-ce que vous voulez nous dire peut-être un petit mot? Moi... C'est vrai que ça fait 7 ans cette année. Moi, je ressens des choses assez fortes chaque année parce que j'aime tous les gens qui sont ici. On est entouré de plein de monde qui nous entoure quand on n'est pas bien, on sait où s'entourer. Des gens qu'on parle souvent, ou alors on peut leur demander est-ce que ça va, ou ils aident d'une manière en étant handicapé, ou alors en étant hospitalier handicapé. Moi, ça fait 2 ans que je suis hospitalier handicapé. Moi, j'aiderais de toute ma manière. Comment je peux faire, mais je trouverai mon moyen d'aider les personnes handicapées comme moi aujourd'hui qui... Vous avez pu être aidé également. Hein. Oui, vous avez besoin de transmettre également cette aide aux autres. Je suis malheureusement obligé de vous couper. Mais en tout cas, tout est dit derrière ces mots très simples. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir témoigné. Merci à vous tous d'être venus participer à cette émission dont le rythme a été bien sûr soutenu. Vous êtes nombreux à avoir pris la parole. Bon pèlerinage à vous tous. Hein. Je sais que repose hein, sur vos épaules et sur cette organisation beaucoup de pression. Hein. Qu'on peut lire à l'heure actuelle. Et merci beaucoup donc aux sœurs, aux religieuses de la communauté donc de l'Assomption de nous avoir accueillis sur cette somptueuse terrasse ici qui domine Lourdes, la ville, qui domine le sanctuaire et qui a une vue magistrale sur cette grotte où s'agglutinent chaque jour des milliers de pèlerins. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.